Bonsoir, au revoir, Peter. Oh, pur bonsoir. Bonsoir, les kings et les queens. J'ai beaucoup à partager avec vous ce soir. Concernant la prospérité. Vous savez, je parlerai toujours de prospérité. Je vais parler de déblocage. Je vais parler de prospérité. Parce que, quand on n'a pas l'argent, on souffre. Je suis là. Le manque d'argent fait mal. Monsieur Peter, le manque d'argent rend aigri. L'argent, c'est la seule chose que quand tu donnes à n'importe qui. Peu importe sa religion, peu importe sa couleur de peau, ça le rend heureux d'abord. Même sans le savoir inconsciemment, il va un peu se soucier d'abord, like, oh, l'argent. L'argent. Et aujourd'hui, je réfléchissais juste un peu. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de. Bonsoir, Hervé. Mais il y a beaucoup d'hommes dans le direct, si vous voulez. Bonsoir, les hommes. Je ne vais pas vous fusiller ce soir, ne vous inquiétez pas. Donc, bonsoir à la chinoise. Je viens d'arriver à Yaoundé. Je crois que je vous ai dit que je te venais à Yaoundé aujourd'hui. Donc, je viens d'arriver. Je viens d'arriver. Donc, vous savez, l'argent est très important. Quand je dis souvent aux gens que c'est important de. Parfois, tu dois rester en train de réfléchir à propos de ta vie. Tu réfléchis à propos. Tu vois d'où tu viens. Tu vois comment tu pensais avant. Certains d'entre vous, dans 10 ans, si vous vous amusez, vous serez sous le même salaire, le même poste, en train de faire la même chose. Donc quand il vient, je parle souvent dans mes vidéos et cela. J'ai une amie. On a galéré, on va dire, 2011, 2012 ou 2013. En Angleterre ensemble. Et quand je n'avais pas les papiers, elle avait les papiers. Donc elle avait la possibilité d'aller travailler. Et moi, je restais à la maison, j'écoutais beaucoup d'enseignements sur le mindset. J'ai commencé à transformer mon esprit, comment je me vois. Et croyez-moi, pendant au moins 8-9 ans, je ne voyais rien. Je n'avais pas de papier, je me rappelle, il y avait des rentrées scolaires, c'est elle et son mari qui achetaient la chaussure. Ceux qui sont en Angleterre, vous connaissez Clarks. Tu achètes la chaussure chez Clarks à peut-être 50 ou 60 pounds. Une paire de chaussures, l'enfant peut porter la chaussure là tous les jours de l'année scolaire. Ça ne se gâte pas. Et les 54 pounds ou les 60 pounds de la chaussure là, parfois c'était 45 pounds quand il faisait les soldes. Pour moi, à l'époque, c'était beaucoup. Ah, c'est une femme qu'on a le même âge, elle me dépasse de 3 mois. Mais elle, on était en Europe ensemble, elle pouvait travailler. Moi, j'avais l'enfant. L'État ne me donnait bien sûr rien pour mon enfant. Je n'avais pas de papier. Donc, je recelais beaucoup. Et l'autre jour, quand je restais, j'ai réfléchi, je disais que c'est la vie qui m'a forcé à appeler l'argent. C'est la vie qui m'a forcé la têtue, j'étais têtue aussi. J'aimais toujours croire que c'est ma voix qui va donner. Donc, quand je n'ai pas fini l'école, parce que je suis tombée enceinte, mon père a dit que comme tu as choisi d'avoir l'enfant, je ne t'ai pas épuré. Me voilà, j'accouche. Je ne sais pas du père de l'enfant. Je me retrouve seule en bain. Sans papier, avec l'enfant. Gars, c'est là que la galère commence. Mais dans la galère, c'est pas genre. Je trouvais toujours un petit moyen. J'ai raconté ceux qui ont écouté mon histoire. Je faisais des Airbnb, je coiffais,
J'ai me chargé le conteneur, j'ai chargé peut-être trois conteneurs comme ça là. J'ai fait beaucoup de petits business. Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Ça, c'est de 22, 23 ans. Et à l'âge de 32 ans, je suis en France. 30 ans, je pars en France. Je fais 2 ans en France. Mariage, je suis femme battue. Je me retrouve encore comme ça là. Ça me tape. Première année dans le mariage en France. Deuxième année, j'étais seule. C'est l'année-là que je suis restée comme ça là. J'avais envoyé ma fille en Afrique. J'ai dit que mince, j'ai tapé 9 ans en Angleterre. Je suis en train de taper. J'avais tapé 2 ans en Belgique, 9 ans en Angleterre. J'étais dans ma deuxième année en France. Ça veut dire que j'ai tapé 13 ans en Belgique. J'ai dit que je dois pousser l'affaire. Si je me suis lancé, j'ai dit que tout pour le tout. J'ai dit que soit je crois en moi. Donc tu imagines que si le temps là, quelqu'un d'autre peut-être qui avait fait, j'ai mes soeurs qui ont fait, mes cousines peut-être qui ont fait, j'ai une cousine qui est médecin, j'ai une autre qui est mariée à un médecin. Donc je m'appelle quand je visitais leur maison. Je suis allée chez une de mes cousines, là, elle avait une maison, elle a une maison en Belgique à trois niveaux. Il y a le sous-sol, il y a le rez-de-chaussée. Premier étage, c'est seulement le salon et la cuisine. Deux salons, une cuisine. Deuxième étage, c'est sa chambre avec pour son mari, avec quoi, la chambre des étrangers. Troisième étage, c'est la chambre des enfants. Je me rappelle, j'ai visité sa maison en 2016. J'étais encore dans les galères. Je vois la maison comme ça là. Regarde. Et vous savez, quand vous croyez en quelque chose qui est en vous, à un moment, vous aurez une bataille mentale. Parce que ça se passe dans ta tête. Je regarde, j'ai appris à écouter la voix de l'esprit. Je m'appelle que je suis entrée dans sa maison. L'esprit m'a dit, ne te dérange pas, regarde bien la maison. Je pars derrière, je regarde le jardin. Il me dit, regarde bien, ne te dérange pas. Il y aura un moment où tu auras même comme ça la sainte maison. Vous savez, quand Dieu te parle et tu es dans ta famille, tu n'as pas encore, je ne sais pas comment, un niveau où on peut voir. Je vous ai déjà dit que dans ma famille, c'était quelqu'un que tous les 1 an, je commençais un nouveau truc. Donc ça veut dire que, en anglais, on dit Jack of all trades. C'est-à-dire la fille a fait dans tout. Elle est comme moi, Jackie. Et je n'abandonnais pas. Je sors le matin, si c'est les beignets, oh, je porte les. Je vous dis que j'ai vendu les beignets quand ils n'avaient pas les papiers en Angleterre. Je porte mes caramels. Je porte je faisais tout. Tantôt, j'ai deux Jamaïcains qui doivent coiffer. Je me lève à 6 heures, je commence la coiffure. Je sais que si ils commencent à 6 heures, maximum 11 heures, j'ai fini la première tête. Après, pas chez la deuxième, parce qu'ils faisaient aussi la coiffure à domicile. Un jour, j'ai écouté tellement les enseignements que je suis restée comme ça. J'ai dit, j'arrête la coiffure. J'arrête la coiffure. Le peu d'argent que j'avais économisé, j'ai lancé ma plateforme de coaching. J'ai fait une vidéo, la vidéo de bande-annonce. Que croyez en ce qui est en vous. J'ai commencé à motiver les gens. J'ai organisé les deux premières conférences que j'ai organisées. Ça a échoué. J'organise après, je me dis, je commence à douter de moi. Qui peut même venir m'écouter? Qui peut même croire en ce qu'on m'a dit? Toi, tu lâches encore rien pour prouver aux gens, tu dis que tu vas prendre quoi, Jean? Ça, c'était en 2016. 2017, j'organise encore d'autres. Je doute. 2017, maintenant, je pars et me marie. Dans le mariage, je suis là, je suis frustrée. Je fais les rêves, Dieu me montre comment je suis en train de parler aux gens. Dans mes rêves, je me lève, le gens, tu peux même pas dire, ça que tu peux même pas dire à l'homme. Tu vas lui dire, il va dire que papa m'a tu manges. C'est pour ça que je suis frustré, je suis frustré. Finalement, ça explose, je commence à faire les problèmes à la maison. Ça tourne en violence conjugale. Je crois que 2 ou 3 fois, je suis parti à l'hôpital. Le cou cassé, ceci. J'ai porté une plainte une fois. Après, j'ai retiré la plainte. Après, j'ai dit que non, 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 non.
ça, je cherchais toujours ma voix. Et bien sûr, ça vient avec les moqueries. Parce que quand tu cherches ta voix, hein, tu dois fermer tes deux oreilles comme ça là. Tu dois fermer tes deux oreilles. Après, j'ai appris à me concentrer. Ta vie va changer quand tu vas commencer à donner la priorité juste à ta mission de vie et à ton agent. Tu te lèves le matin à 3 heures, mission de vie, mon agent. Tu crois en toi. Mission de vie, mon agent. Que j'ai quelque chose en moi qui va aider quelqu'un là-dehors. On te dit n'importe quoi. On se moque de toi. Non, 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 non. Si c'est la nourriture que tu connais préparer, ma chérie. Crois qu'un jour, tu vas préparer la nourriture. Les présidents vont venir, vont s'asseoir. Ils vont dire, vous mangez la nourriture de la femme. Si. Que j'ai entendu parler de ta main sur la nourriture. Moi, ma part, c'était ma bouche. Moi, ma bouche, c'est là. Ma bouche. J'aime parler. J'aime toujours encourager les gens. Quand ils voient quelqu'un est triste, ça me fait mal. J'aime moi toujours. Donc, c'est quelque chose qui a toujours été dans moi. Il y a la bouche et puis il y a les enfants. J'aime motiver les enfants. J'aime faire sortir le meilleur d'un enfant. Je croyais que j'ai cru que Dieu m'a parlé. Il m'a dit, viens en Afrique. Et effectivement, jusqu'au jour, je suis convaincue que Dieu m'avait parlé. Il m'a dit de venir en Afrique. Dieu ne peut pas aider l'Afrique en étant hors de l'Afrique. Donc, j'ai porté mes choses. Bonsoir Camille de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. J'ai porté mes choses et je suis venue en Afrique. L'Afrique m'a touchée. Vous savez le nombre de fois où j'ai voulu partir en Europe la première année. Parce que l'Europe est confortable. On est confortable en Bénin. On est confortable. Non, bonsoir John. Tu vois, si tu es sûr que bon, tu as quand même un petit boulot stable où tu as tes 1500 euros. 2-3 000 euros. C'est confortable. Tes droits sont respectés. Aujourd'hui, on m'a manqué de respect à l'aéroport. J'ai bavardé là-bas jusqu'à. Et ici, c'était en Bengue. C'est qu'on dit, madame, je dis que je veux me plaindre contre votre staff. On dit, madame, venez ici, là, asseyez-vous. Remplissez le formulaire ici. Mof, ma première année en Afrique, mof, midé. J'ai chuté même 4 fois. Dormi sur la natte au sol. Sans abri. Dormi chez un petit de petits, de mes petits. Dormi dans sa petite chambre qui payait 25 000 ou 20 000 à village pendant 4 jours. Tu vois un petit qu'il arrive chez toi comme ça, là, tu prends de tes petits téléphones que tu n'utilises pas, tu dis petit, voilà, tes cadeaux, tu avais ça. 3 semaines plus tard, tu te retrouves bloqué parce que ton argent est bloqué à la banque, ta carte bancaire est bloquée, tous tes comptes sont bloqués et tu viens de déménager. Ton argent, on dit que le chèque qu'on a donné, la banque va donner ton chèque dans 7 jours. Le petit là te voit comment tu donnes dans ta voiture. Il dit, madame, please. Tu peux venir chez moi, je vais dormir au sol, tu vas dormir sur le lit. J'ai dormi 3 jours sur le petit là. 3 jours. J'ai resté aussi dit que mince, il faut que je rentre en Europe. Dès que j'ai fait un plan, ce que je veux partir, Dieu me dit, tu ne bouges pas. C'est pour ça que pour pouvoir, vous devez comprendre la voix de Dieu qui vous parle à l'intérieur de vous. Je dois être où? Je dois être en train de faire quoi? Les deux choses là. These two things. Where should I be? What should I be doing? With who? Et quand j'entends la voix de Dieu, cette voix se demande. Seigneur, je suis en train de faire ça. Si ce n'est pas la bonne voie, dis-moi.
Si c'est la bonne voie, hein, permets que je continue. Seigneur, voilà, il y a telle personne qui est venue, il dit qu'il veut m'épouser. Si c'est lui, hein, montre-moi, confirme. Si ce n'est pas lui, hein, fais qu'il parte. Mais j'ai tellement souffert au moment que c'est comme ça que tu commences à considérer les options. Tous les faux dragueurs que tu avais abandonnés depuis 5 ans là en bain. Et c'est fou, c'est parce que c'est la période là qui va t'écrire. Hein. Hey, how are you? Oh, I was thinking about you. You know? Oh, how you doing? Tu es là comme ça, là, tu galères, tu cherches même un 15 000 comme ça là. Tu vois le message. Ah. Ok. Maman, dès que je réponds que hello, le Saint-Esprit me dit, tu fais quoi? J'ai commencé à comprendre l'impact des personnes qui ne croient pas en toi. Dans tes conversations quotidiennes. Il y a les personnes que tu ne les as pas quittées pour rien. Quand ta relation s'est coupée avec la personne-là, c'est une délivrance. Il a fallu que Michael, l'ange Michael, descende du ciel avec son épée là qui coupe, carac, pour que le gars là quitte derrière toi. Ça fait 5 ans. Te voilà aujourd'hui, tu portes encore tes pieds parce que tu as besoin d'argent. Tu réponds à son message. Moi, j'ai des conversations avec Dieu. J'ai des conversations terribles avec Dieu. Et moi, je vous dis, je suis transparent dans mes choses. Moi, il dit, moi, ça ne plaît pas à quelqu'un, il se désabonne. Que la fille, c'est là, elle est neuve. Oui. Dès que je réponds comme ça, après, je m'appelle, il y a une période là où j'étais game. Oh my God. C'était en début 2021. Oui. J'étais game. Le monsieur là commence à m'écrire. Je réponds. Après, je ferme la voix du Saint-Esprit. Je dis, c'est bon. De toutes les façons, voilà, il est célibataire, je suis célibataire. Voilà, on peut quand même parler. On ne fait rien de mal. Chaque jour qu'il prend le téléphone, je parle. Après, il dépose. Je sens le Saint-Esprit dire, tu es en train de retourner dans les anciennes choses. Et en fait, la priorité de la personne. Chaque fois que je parle d'un projet que j'ai, tu sais, je veux construire une école ici en Afrique. Tu sais, je veux motiver les gens. Tu sais, ma page que j'avais lancée depuis 2016. Vraiment, ça fait 4 ans, 5 ans, mais ça commence déjà quand même à donner. Hein. Non, il faut laisser tout ça. J'ai eu une époque de ma vie où j'ai un dragueur qui me disait que, qui payait, pas qui me disait, je paye ton loyer. Je paye le loyer de ton bureau. Je paye tes employés. Je te donne l'argent pour vivre. Et c'était une relation à distance. Tout ce qu'il veut, c'est ton énergie. Il y a un soir, le jour où j'ai compris que l'affaire du Saint-Esprit, cela, c'est pas la blague. Je rentre et j'ai passé toute la journée, j'ai fait de l'adoration, j'ai parlé, j'ai eu 2-3 clients qui sont venus. Vous savez, moi, soit quand quelqu'un arrive, tu sens vraiment que je suis au bon endroit. J'ai les gens qui ont besoin de moi. Je parle, ça aide la famille ici. Ça aide telle personne. Je rentre. Je prends le téléphone, je mets comme ça, appel vidéo. J'ai parlé avec l'homme là 2 minutes. J'ai senti comment mon énergie, comme ça, là, ça sautait de mon corps, comme ça, là. Je raccroche, je dis Saint-Esprit, what's this? Il dit, toutes les énergies ne sont pas bien pour toi, pour ton futur, là où tu pars. Merci, John. Toutes les énergies ne sont pas bien pour ton futur, pour là où tu es en train de partir. Il dit, hein? Il dit, oui. Tu sais depuis 2 mois que tu dois arrêter cette relation. Cinq heures, dans le rêve, j'entends mes guides. On t'a déjà dit qu'il faut que tu arrêtes. On t'a déjà dit. Il dit, ouais, on ne couche même pas ensemble. La personne n'est même pas ici au Cameroun.
On t'a déjà dit qu'il faut que tu arrêtes. Je me lève, je tourne. Je crois que j'ai peut-être fait 2 semaines. La conviction à leur propre papa. Un jour, chez un monsieur qui avait un restaurant en face de l'école, de mon école. Il me regarde enseigner les enfants. Il me regarde. Il dit, pourquoi tu n'enseignes pas avec la Bible? Je me suis rendu compte que l'homme la connaissait bien la parole de Dieu. Il a pris 4 heures de temps le jour, il m'a fait asseoir. Que pour là où tu es en train de partir, ce que tu as à faire, tu dois protéger ton énergie. Je vous dis toujours que énergie égale argent. Énergie égale visibilité. Énergie égale succès. Énergie égale ouverture des portes. Et beaucoup d'entre vous, votre énergie au départ d'abord est pure et pleine. Ce sont les gens avec qui tu parles qui coupent ton énergie. Les gens avec qui tu es couché sur le lit la nuit là. Là, tu attends qu'ils rentrent du boulot pour t'appeler, non? Je sais ce que tu as dit depuis 4 mois. Tu dis, ah, il paye mes yeux, non? Il paye mon loyer, non? Il paye mon loyer. J'ai une dame qui est venue dans mon bureau toujours. J'ai fait la vidéo, j'ai mis sur TikTok. Elle dit qu'elle est la Chisa. Elle est la Chisa depuis 13 ans. Sa vie n'avance pas. Je lui dis que ma chérie, tu t'attends à ce que je te dise que tu maintiens la relation et je travaille sur toi. Tu dois arrêter d'abord la relation. Ce qui avait fait n'importe quoi, je finis avec toi le soir dès que tu arrives là. Il t'appelle n'importe quoi là, ça, c'est fini. Le jour-là, j'ai parlé avec l'homme là pendant 4 heures. Qu'on a fini de parler. Sur le champ, mais sur la table quand on parlait, j'ai retiré la bague de fiançailles que le monsieur là m'avait envoyée. J'ai retiré, j'ai déposé. Pendant qu'on parlait, j'ai écrit le message. J'ai dit que tu sais, ça fait 9 ans que tu tournes dans ma vie comme ça là. Et tu me fais tourner comme la chaise du coiffeur. Bonjour Mara depuis l'Angola. J'ai dit, j'arrête. Cette fois, c'est comme j'arrête là. C'est pour de bon. Il y avait une radio sur laquelle je passais tout le temps. Il me dit, arrête aussi d'avoir cette radio. J'ai arrêté avec les deux, quelque chose comme mercredi. Samedi qui a suivi le mercredi là. J'arrive un matin, quand j'ai arrêté, je sentais comment l'énergie en moi se... Je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Parce que quand tu es choisi, quand tu es un choisi ou une choisie, ils viennent à toi comme les abeilles ou bien comme les mouches qui viennent pour sucer quelque chose. Eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils viennent vers toi. Je ne sais pas, quand je suis avec toi, je me sens bien. Quand je couche avec toi, j'ai la chance. Quand parce que tu ne connais pas ce que tu portes. Tu ne connais pas ce que tu détruirais si tu conserves ton énergie. Tu ne connais pas qui tu libérerais. Ah! Oh Seigneur! J'ai arrêté mercredi. Quand j'arrête comme ça, je sens comment l'énergie en moi. Jeudi ou vendredi qui a suivi. Je suis sans ça, on me dit voyage, je voyage. Je pars à Limbé. Je pars au bord de l'eau. Je parle. Je m'assois. Je suis resté au bord de l'eau, je joue là même 45 minutes. J'entends mes guides qui me disent, tu vas voir maintenant ce qu'on va faire dans ta vie. Tu vas voir. Tu vas voir. Ça ne te dérange pas.
Tu as obéi, tu as arrêté ce qu'on t'a demandé de faire. Parce que dans la radio, là où je partais parler, je ne pouvais pas contrôler ce que je dis. Je ne pouvais pas venir dire que l'esprit m'a dit de dire que ce sont eux qui me disaient, on pose des questions, ou on guide dans ce que te guide dans ce qu'ils veulent. Maintenant, ils me disent, maintenant, on va te donner les messages que toi, tu vas dire aux gens. Je suis rentré chez moi. Le lendemain ou le surlendemain, j'arrive au centre en attendant les enfants. Parce que en étant la directrice, moi, j'étais toujours la première sur le campus. J'arrive. 6h34 ou 6h45. On t'ouvre de l'eau. L'école à l'époque, le temps là, c'était au bord de l'eau. C'est l'année qui a suivi que j'ai eu ma propre maison. Maintenant, c'est dans le centre à Macapé. Ils me disaient, va sur l'eau. Je pars sur l'eau. Je ne savais pas ce que j'allais dire. Dès que je suis en train de monter sur le pédalo qui va m'amener sur l'eau, me dit, prends ton téléphone, tu fais un direct. Je ne me rappelle pas ce qu'elle dit le jour-là. Mais je sais que le jour-là, je parlais, comment savoir que tu es un choisi. Quand je parlais, je sentais que c'était la force qu'il y a en moi qui était en train de parler. 3 jours plus tard, j'ai 10 000 vues sur la vidéo. Les gens me contactent de partout dans le monde. Bonjour, je veux que tu m'aides. Bonjour, bonjour. Je suis avec les enfants à l'école. J'ai dit, wow, maman, je n'ai pas encore fini avec l'école. Vous allez me contacter plein, plein comme ça là. Je suis arrivé en l'espace de 3 semaines, j'étais à 50 000 vues sur la vidéo là. C'est comme ça. Chaque fois, me donne des trucs. On parle, dit ceci. La deuxième chose que j'ai appris à me faire confiance. Que il suffit que Dieu m'ait parlé, que j'ai entendu et que j'ai cru. Ça me va. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi, hein. Je n'ai pas besoin que tu approuves. Je m'en fous de toi. C'est pas rude, c'est pas méchant, mais je m'en fous. Si Dieu m'a parlé là, jusqu'à ce que je sois convaincu, hein? Oublie le reste. Ça me va. C'est assez pour moi pour qu'elle ne me lève et pas agir dessus. Donc si Dieu te dit, tu auras 1 million, tu auras ceci. Ce qui t'a dit là, n'attends pas que je te confirme que oui, c'est Dieu. Hein. Je pense que c'est Dieu qui t'a dit ça. Je pense que c'était la voix de Dieu. Non, 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 non. Ne m'attends pas. Ne m'attends pas. Troisième chose. Personne ne peut me faire du mal ou me descendre. Personne ne peut me toucher sans ma permission. C'est vous qui donnez votre pouvoir aux gens. Quand les gens vont voir que tu commences à monter, tu commences à avoir confiance en toi. Tu commences à avoir confiance en Dieu. C'est là qu'on va finir te tester et t'attaquer. C'est là qu'ils vont aller. J'ai commencé à croire ce que la Bible dit. Quand la Bible dit que dans Nombre chapitre 23, verset 23, aucune incantation ne peut marcher contre Jocelyne. Prenez votre Bible, vous lisez, je n'invente pas la Bible. Aucun sortilège ne peut marcher contre Jocelyne. Gars, j'ai pris la Bible. J'ai cru. J'ai dit que Bible, je vais te mettre comme les semelles de mes chaussures. Je vais marcher sur toi. Quand il marque un pas, la Bible est en bas de mes pieds. Je marque un pas, la Bible est en bas de mes pieds. Ça me carie. Ça me porte. Et si telle personne te fait mal? Et si telle personne pas y pratique? Et si telle personne pas y fêter? Et si quelqu'un pas y fêter? Vous connaissez qui vous êtes? Vous connaissez qui vous êtes? Demain, là, lève-toi un peu. Tu vois, il faut un peu avoir confiance en toi. Un peu là. Tu vois, vraiment, ça va énerver les gens autour de toi. Faut commencer à te dire, fais attention, hein. Fais attention, hein. On va te faire du mal.
Fais attention, hein. Je crois ce que la Bible dit. Ésaïe 54. Attendez, je vais vous lire le passage. Oh, j'ai pris la Bible, là, j'ai dit que I must believe it. I must believe him. Ésaïe 54. Je vais vous lire un passage. Si on forme des complots contre toi, ça ne vient pas de Dieu. Quiconque se ligue contre Jocelyne tombe sous le pouvoir de Jocelyne. Aïe, le jour où le passage s'est entré dans mon corps. Hein. Jesus is Lord. J'ai bondi. Attends. Donc, si quelqu'un paye complote, il va tomber sur mon pouvoir. Vous ne savez pas que vous avez le pouvoir, non? Vous ne savez pas, non? Ne savez pas, vous. Vous avez suivi, ne savez pas, hein? Et après, il dit, verset 17, toute arme forgée contre Jocelyne est sans effet. Ça veut dire qu'on va comploter. On va parler. On va déposer même le poison. On va envoyer le tueur à gage. On va envoyer l'agresseur. On va même faire les vidéos pour parler mal de ton nom. La Bible dit, ça sera sans effet. Ça veut dire qu'on va envoyer, ça ne va pas agir. Vous suivez? On va envoyer. Dieu n'a jamais dit qu'on ne va pas t'attaquer. Parce que parfois vous confondez un peu, vous ne comprenez pas bien la Bible. Dieu n'a jamais dit qu'on ne va pas t'attaquer. C'est pour ça que quand tu vois les problèmes, il a dit que ce sera sans effet. Donc on a envoyé la bombe. On a dit que ça c'est pour me finir telle chose de la fila. Ça n'agit pas. On envoie, on dit que ce sera... Ça n'agit pas. Ok, on va faire son compte bancaire, va se vider. Ses finances vont tomber. Le mois prochain, tes finances doublent. Parfois, quelqu'un vient, un de tes proches vient et te dit, ah, tu sais, hein, le mois-ci, ça, vraiment, quand je vois que tu es un peu malade là, ça va pas aller, hein? Moitié du mois, tu vois, tu as fait le double du chiffre d'affaires. Ah, diable, donc tu avais envoyé le gars là au début pour qu'il vienne me mettre les idées dans la tête, pour que je parle mal contre mes finances. Attendez, la Bible est sucrée. J'ai des passages pour vous. Josué chapitre 1. Vous n'avez pas besoin de connaître toute la Bible. Il faut croire le peu que tu connais. Believe him. Josué, chapitre 1. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, Jocelyne, je te le donne. C'est toi qui arrives, tu es là-bas au Canada, tu souffres. Tu n'as pas compris que comme ton pied a touché la terre du Canada, là, comme ton pied a touché le sol, je suis noire, une femme noire ici là. Les noirs vraiment sont marginalisés. Hein? Vraiment. Tu ne crois pas ce que la Bible dit. C'est pour ça que tu souffres. Tu souffres. Lucie, bonsoir. Eben, bonsoir. Il dit, fortifie-toi seulement. Verset 7. Aie bon courage, Jocelyne. Agis fidèlement selon la loi que Moïse,
mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Afin de réussir tout ce que tu entreprendras. Est-ce que tu sais qu'il y a un degré où tout ce que tu fais marche? On dit, elle fait dans ça, ça marche. Elle fait dans ça, ça marche. Elle a ouvert là-bas, ça marche. Elle vend ça, ça marche. Elle fait ça, ça marche. Parce que j'ai cru. Et après, Dieu, verset 8. Alors tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Allez lire le verset Josué 1, verset 7, verset 8. Verset 9. Dieu connaît que tu as besoin de croyance, tu as besoin de courage. Parce que c'est l'entrepreneuriat qui va te réussir. Allez, lis. Verset 7. Tout ce que tu entreprendras. Verset 8. C'est là que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Verset 9. Ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ça veut dire que Dieu connaît que tu as besoin de venir d'abord le prendre pour aller lancer tes affaires. Vous les hommes d'affaires là. Carry God, put him in front. Mets Dieu comme Mercedes met l'insigne de Mercedes devant la voiture là. Prends Dieu, tu le mets devant. Je vous explique souvent ici, payez vos dîmes. Les dons, les offrandes. Ah, quand il y aurait l'argent. Si c'est quand il y aurait l'argent, hein. Certains même quand tu leur dis de payer la dîme, ils vont dire ah. Ce sont des principes. Je vous ai souvent dit, je sais qu'il y en a parmi vous, vous avez écouté mes enseignements depuis 3 ans, 1 an. Tu n'as jamais pris ton téléphone, envoyé 50 francs dans ce que je fais. Tu te leurres toi-même, tu te trompes toi-même. C'est pour ça que depuis 3 ans, tu es sur le canapé de ta cousine là-bas. Parce que tu as toujours la mentalité de la personne qui n'a pas. Je parle de ça là, car tu n'as jamais cherché un orphelin que tu vas lui donner même un cahier à la rentrée. Le cahier de 500. Et vous savez que je vous enseigne les principes. Vous savez que je vous enseigne les principes. En tout cas, hein. C'est chacun qui sent que ça dans son corps, non? C'est chacun qui sent ça dans son corps. Je dis toujours que c'est chacun qui sent ça dans son corps. Oh, 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 Kenny, bonsoir. Parfois, tu souffres, tu vois, tu es la seule personne qui souffre sur la terre. Nous-mêmes, on a souffert. Nous souffrâmes à une époque. La souffrance, c'est ton plus beau cadeau. Si tu sais plonger dans cette souffrance, Seigneur, il y a quoi que je ne fais pas bien? Montre-moi comment ajuster. Que crac, 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 crac. J'ajuste les crac, crac, crac. Parce que c'est que dès que tout sera clair, ça va donner tchac, 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 ça va s'aligner. Parfois tu fais, mais tu dois faire avec consistance. Tu dois faire constamment. Souvent, dit, j'ai commencé à me laver avec le sel, après j'ai abandonné. Oui, j'ai commencé à payer ma dîme un mois. J'ai eu trop de problèmes le mois, là j'ai abandonné. Oui, j'ai commencé à jeûner, après, oh pardon, le mal d'estomac m'a attrapé, j'ai laissé. Moi j'ai laissé, et après 2 semaines j'ai laissé. C'est la persévérance. Je vous ai dit que j'ai lancé l'église en 2019. Premier service, j'avais une seule personne. C'était la caméraman. Caméra woman. Ma copine qui tenait la caméra pour me filmer. Personne n'était venu. Je vois les gens aujourd'hui n'ont pas l'esprit de je crois en une vision. Je crois en quelque chose. Je me mets dessus. Tu crois en ton concept.
Vous voulez savoir combien de fois je suis partie dans la rue pour distribuer les flyers de moi-même, de mes business? Je suis sous le soleil, la chaleur de Douala. Je cours derrière les parents à Carrefour. Je cours derrière les parents par Koufita. Bonjour madame. Oui, votre enfant a quel âge? Venez avec l'enfant, venez. Voilà le flyer, vous voyez madame. On est ouvert tel jour. Ouais, venez. Ah ouais, l'enfant. J'ai partagé en Angleterre. J'ai couru derrière les gens dans le froid en Angleterre. Bonjour madame, goûtez un peu. Vous aimez? Ça vous plaît? Si vous voulez encore, prenez ma carte. Je suis arrivé à un niveau, à un moment où j'ai compris que. Je devais croire. Je vous raconte parce que certaines personnes viennent souvent me dire que oui, toi tu parles, mais tu ne connais pas ce que je vis. Dormir sur le canapé de quelqu'un, j'ai dormi. Donc si tu es sur le canapé de quelqu'un, ne crois pas que tu es dans la plus pire des situations. Parfois, vous aimez trop dramatiser votre situation. Moi, tu ne me connais pas. Il m'a abandonné avec 4 enfants. Hein? Moi, regarde-moi, je suis arrivée ici, là, je n'avais même pas les papiers. J'ai fait 5 ans sans papier. Hein? Je n'ai. Laissez-moi tout ça. Je ne suis pas spéciale pour que Dieu me récompense. Dieu ne fait pas la discrimination. Jocelyne est ma fille bien-aimée. Je n'aime pas Alexis. Et dites-moi, il ne t'aime pas moi. C'est Jocelyne qui est la meilleure. C'est Jocelyne qui est ma préférée. Sinon, pourquoi il te donnerait l'air pour que tu respires maintenant? Tu as commencé une page, tu as laissé. Dieu t'a parlé, que commence la page. Motive les femmes. Parle de la dépression postnatale. Quand tu as accouché, tu as souffert à la maison seule, dans un petit village de la Suisse ou de la France. Fais des vidéos, tu parles de ça aux femmes. Tu commences à me dire, ma voix ne sort même pas bien, hein. Moi, quand elle parle, je bégaye un peu. Non, tu sais, je dois d'abord perdre le poids. Regarde mes joues. Vous-même, vous savez que moi, il m'en fout. Moi, quand il vient me mettre ici, là, vous parlez, faites mon direct. Et. Si tu veux regarder mon visage, je ne passe. Sors-tu pas. T'as des excuses. Non, je dois d'abord acheter une bonne caméra. Même avec le téléphone de 50 euros. Fais. Il faut d'abord que j'ai l'argent pour acheter tout le matériel. Il me faut environ 1200 euros avant de commencer. Ouais, Seigneur. Pourquoi vous bloquez l'appel de Dieu sur votre vie? Je vais te parler de la formation mission de vie. Donc, elle sera disponible pour le public. Je vais mettre ça pour le 1er février, je pense. Formation, comment découvrir sa mission de vie? Bon, la mission de vie est déjà là. Et comment juste la façonner? J'explique que ta mission de vie, c'est quelque chose que tu poursuis. Tu te lances, tu dis que comme je suis là, je suis dedans les pieds, les mains. Parfois, tu coupes même les ponts. Il n'y a pas de retour possible. Tu te lances dedans. Merci, Rotini. Tu te lances dedans totalement. On se moque, oh, tu t'en fous. Parce qu'ils vont se moquer d'abord, après ils vont commencer à observer pour voir ce que tu fais. Quand ça va marcher, ils vont t'admirer. Après ils vont t'envier. Pourquoi tu ne me donnes pas aussi? N'est-ce pas, tu as. Hein? Que donne pour moi. Si tu ne me donnes pas, ta main sera comme ça. Je ne te donne pas. Ma main ne va jamais devenir comme ça. Vous voyez que Dieu va punir les gens qui ne vous donnent pas. Laissez. Dieu ne. Le jour où j'ai découvert que Dieu ne punira pas, mais les gens qui m'ont refusé leurs choses, ça m'a énervé jusqu'à. Dieu, c'est injuste. Regarde la grosse voiture du monsieur là. J'ai vu dans son compte bancaire qu'il avait 15 000 pounds.
Je demande même 200 pounds, il refuse. J'ai vu 8 millions dans son compte. Je demande 100 000, il refuse. Seigneur, punis-le. Punis-le, Seigneur. Ne te dérange pas, ma chérie. Il va rentrer dormir, manger son argent. Rien ne va le faire. Tu as compris? Et rien ne va le faire. Personne ne te doit rien. En anglais, on dit nobody owes you anything. Personne ne te doit rien. Quand j'ai compris ça, ça m'a libéré. Et j'ai compris que je ne dois rien à personne. S'il veut te donner, s'il veut te donner, pas. Comme l'enfant prenait son bonbon quand il était petit comme ça. Il vient de voir, tu fais comme ça. Oui. S'il veut te donner, s'il veut te donner, pas. Oui. C'est pour moi, non? C'est pour moi, non? Vous riez. Vous avez la haine de vos ex. Vous avez la haine de vos pères. Oh, mon père aurait dû faire ça pour moi. Vous avez la haine. Mon boss, mon ceci. Personne ne te doit rien. Voilà. Merci ton Dieu. Tu dis que je t'aide à devenir quelqu'un. C'est vraiment pas la grâce de Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Toi aussi, tu t'aides parce que tu écoutes, parce que tu aurais pu ne pas écouter mes vidéos. Gabriel, DJ, tu augures quoi? Tu ris quoi? Quand tu comprends que personne ne te doit rien, tu comprends maintenant que l'argent est là. L'abondance est là pour tout le monde. Les business que toi, tu as vus, ce n'est pas les mêmes que moi, j'ai vus. Si on nous met dans un environnement, je peux entrer dans une pièce, je regarde l'armoire, je vois comment il peut faire les cintres qu'on va mettre dans l'armoire, je vois comment on peut faire un service où on range les habits des gens, on fait un service de pressing à domicile. Tu entres dans la même pièce, tu vois comment on peut faire les rideaux. On peut faire les rideaux, on vend. Hein. On peut vendre les beaux rideaux aux gens. Une autre personne vient et dit, waouh, je vois les lumières ici. J'ai un ami qui vit en Thaïlande. Il m'a dit qu'il y a un bon réseau pour faire les luminaires. Une autre personne en dit, regarde le lit. Il dit, waouh, ils ont des belles couettes. Vous savez qu'on peut révolutionner. On propose de nouvelles couettes africaines pour les gens-ci. La chinoise du Canada, tu as le numéro. Tu connais comment les lavages fonctionnent. Prends les photos de tes enfants, tu envoies. Tu connais, ne viens pas ici là, mais dis que tu veux le lavage. Go, ciao. Je vais te taper la chinoise. Beaucoup de personnes que vous me suivez, vous savez que si vous voulez le lavage, si vous voulez le vendre à l'eau, si vous voulez n'importe quoi, voilà le numéro, écrivez. Je consulte à Yaoundé demain. Justement, quelques personnes. Juste quelques personnes. Après ça, je vais dormir. Maintenant, tu dois comprendre que les idées que tu as, Dieu t'a donné ça pour que tu développes. Tu développes. Et vous n'avez pas appris à prendre une idée, développer jusqu'au bout. Vous avez blâmé. Telle personne ne m'a pas sponsorisé. Telle personne ne m'a pas aidé. Telle personne n'a pas rien. J'ai eu plusieurs personnes que, quand les choses ont commencé à marcher, la personne vient comment dire, oh, aide-moi. Donne-moi telle somme d'argent. Au départ, ça me tiraillait un peu. Je faisais un peu genre, ouais, peut-être que je dois aussi l'aider. Gna, gna, gna. Après, Dieu me demande. Qui t'a sponsorisé? Je dis personne. Qui t'a porté ces. Même 300 000 a dit que vraiment, je sais, je crois en toi, lance-toi. Je dis personne. Mais n'est-ce pas, c'est moi qui t'ai multiplié? Je vous lisais, je vous ai déjà lu Genèse, non? Genèse chapitre 12, verset 1. Là où le Seigneur parle à Abraham, il dit quitte la maison de ton père, pars dans un pays que je vais te montrer. Je vais te bénir. Toute personne qui te bénira sera bénie. Toi-même, tu seras une bénédiction pour beaucoup de personnes. Toute personne qui va te maudire, je vais le maudire. Toute personne qui te maudit, c'est Dieu qui dit, Genèse 12, verset 1, 2, 3. Peut-être sur le troisième verset. Elodie, la vie attendra que tu viennes pousser la vie.
Tu vas les aider pourquoi? Merci ton Dieu. Toi, la fille, s'il avait tes giflets. Tu disais que si tu réussissais, tu allais te venger d'eux. Maintenant, tu dis que tu vas les aider. En fait, ma chérie, ne les calcule même plus. Moi, mes exticônes, mes décepticônes, tanticônes, oncticônes, je ne pense même plus à eux. Ils ne sont plus dans ma tête. Ils ne payent pas le loyer. Pourquoi je vais les laisser dans ma tête? Est-ce que tu connais comment ta tête est précieuse? C'est là-bas que tes idées arrivent. Une idée peut te donner 5 millions, 10 millions, 15 millions. Si quelqu'un ne paye pas le loyer, pourquoi il va venir rester dans ta tête? Et du temps que tu paies l'argent jusqu'à pouvoir leur donner, supposons que ça va prendre 10 ans. Donc quelqu'un va rester locataire dans ta tête 10 ans sans payer. Car moi, je suis capitaliste. Hein? Tout espace, on le capitalise. On capitalise. Tu as vu qu'on charge le conteneur. Hein? On ne laisse même pas la souris. Si la souris entre dans le conteneur, elle va caler comme ça, elle sera serrée quelque part. Elle va trouver ce fifflet. Je suis capitaliste. Oui. C'est la souris. Quand tu as bien chargé le conteneur là, même la souris entre dedans, elle va caler quelque part, serrée comme ça là. Dès qu'on ouvre le conteneur, elle dit ah, on m'a serré dans le conteneur ici jusqu'à. Oui. Il ne peut pas louer dans ma tête. Je vais penser à toi pourquoi. Vous riez. Moi, il dit que je ne pense plus à ces gens-là. Et vrai, vrai, même commenter. Parfois, quelqu'un vient, ouais, tu te rappelles telle personne, tu as de ces nouvelles. Parfois, je reste, on se dit même rien. Parce que je n'arrive pas à rentrer le nom de la personne dans ma tête et à trouver son dossier. La machine fait i, erreur. I, erreur. Quand il ne trouve pas, il ne dit rien. Après 2-3 secondes, la personne va voir qu'elle n'a rien dit. Ok, passons à autre chose. Et si tu continues à te donner, demander les mêmes personnes quand tu me. Ça veut dire que tu ne me sers à rien. Donc la prochaine fois, quand tu viens, tu dis que tu veux me voir, je dis à mes secrétaires qu'on dit que je ne suis pas là. Je suis occupé. Même que je ne suis pas là, je ne manque pas. Il dit que je suis occupé. Je n'ai même pas menti. Le mensonge, je ne sers à rien. Pourquoi me suis-je chargé? Pourquoi me suis-je chargé? La personne ne m'appelle pas. La personne ne me like. On n'a pas de raison de s'appeler. On ne traite rien ensemble. Pourquoi je vais passer mon temps? Non, non, I'm sorry. No, leave me alone. Non. Tu vas voir comment tu vas te réveiller à 3 heures comme ça là. Hein? Les idées vont commencer à venir dans ta tête, les idées de business. Tu te rappelles le livre que tu voulais écrire là, non? Tu te rappelles le business que tu voulais lancer depuis avec ta copine là, non? Ma chérie, parce que tu as libéré la ligne. Tu as libéré l'espace. Les vraies idées peuvent venir. Les vraies choses peuvent venir. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez, vous ne savez même pas avec quoi vous vous amusez. La substance créatrice, la puissance qui crée les mondes que j'ai sans moi. Le problème, c'est qu'à l'école, on ne nous a pas appris ça. Ok, la chinoise. J'attendrai. Le problème, c'est qu'à l'école, on ne nous a pas appris ça. Comment utiliser l'énergie créatrice qu'il y a en nous? Tu peux mettre ça, tu parles de tes ex 5 ans plus tard. Mon ex m'avait. Et quand tu parles, c'est même pas pour inspirer les gens. C'est pour te plaindre. Il m'a abandonné. Il m'a engrossé. Et les méchants. Les Bouddhas sont méchants jusqu'à. Un Bouddha, plus jamais un Bouddha dans ma vie. Je n'ai rien contre les Bouddhas. Hein. Ou bien Bamenjou, ou bien Betty. Je dis moi comme ça parce qu'il ne faut pas me dire que je suis tribaliste. Ok? Ou bien Bajounet, ou bien je donne les villages au hasard. Voilà. Voilà. Tu parles avec quelqu'un. Après 30 secondes de conversation, tu reviens sur le père de tes enfants. Hey, Jérôme. Jérôme m'a fait mal, il m'a fait quelque chose. Il va voir, il va souffrir dans sa vie. Il va. Non, ma chérie. La nuit, il va faire l'amour avec sa femme, bien même. Ils vont manger, ils vont aller à Dubaï la semaine qui suit.
compris. Reste là-bas, tu te morfonds sur Jérôme. Quand j'ai compris que les gens que je tenais à cœur, qui m'empêchaient d'avancer, je suis venu au pays, j'ai vu comment leur vie avançait. Car j'ai compris que c'est moi seul qui souffre dans l'histoire. Moi seul qui souffre. Donc, je vous libère. J'ouvre la porte et dis sortez. Je te pardonne, je te relâche. Eric, je te pardonne, je te relâche. Paul, je te pardonne, je te relâche. Avance dans ta vie. Bye, bye, bye. Comme le canard que tu libères. Tu fais chut, chut. Il vient rester devant la porte de soi. Tu le chasses. Après 2, 3 jours, il va partir. Il va oublier que ta maison est là-bas. Tu vas te sentir légère. Tu vas commencer à rêver à nouveau. Tu vas commencer à planifier ton futur. Tu vas commencer à te sentir bien. Bonjour, Victoire. C'est comme ça que l'argent va venir. Écoutez, quand on parle de richesse, il ne s'agit pas seulement de confesser que je suis riche. Je suis riche. Il y a des actes que tu dois poser. Il y a des décisions que tu dois prendre. Il y a des gens que tu dois laisser partir. Pour que les nouvelles personnes entrent dans ta vie. Il y a des relations que tu dois couper fermement. Tu coupes comme ça avec la machette, comme quand on coupait la tête de quelqu'un à la guillotine là. Comme pas. C'est bon. Il y a des numéros que tu vas supprimer ou bloquer. À jamais. Si vous pouvez entendre, c'est bien. Vous pouvez comprendre, c'est bien, non? Il y a la phase où tu commences à t'aimer. Tu commences à enjoy ton argent. Je n'avais jamais vu plus de 2000 euros dans mon compte en une fois. Après 4 mois, payer de la dîme, mettre les enseignements en pratique, j'ai lancé 2 business à côté. Voilà ça dans mon compte, 6000 pounds. 6000 euros. Voilà 6000 euros cash dans mon compte. Chose que je n'ai jamais vue en 3 mois. Tu laisses au salaire, tu bouffais avant, tu bouffais les réunions que tu cotises l'argent pendant 1 an. Ça sort 250 000. Maintenant, tu fais les réunions de 250 000 au mois. Oh. Aïe, aïe, aïe. Laissez. 250 000 au mois. Après, tu montes à 1 million le mois. Après, tu montes seulement, hein, Proverbe 4, verset 18. Pour ceux qui veulent augmenter leur... La Bible dit... Attendez, je vais vous lire ça. Ouf, moi, j'aime la Bible. Hein. La Bible me donne le droit d'être riche. La Bible me donne le droit. Ça me donne la permission. Oui. Proverbe 4, verset 18. Le sentier de Jocelyne est comme la lumière resplendissante. C'est-à-dire que mon chemin sera toujours... plus lumineux. Vous suivez. Mettez vos noms quand vous lisez la Bible. Je crois que je vais faire un petit livret avec les versets bibliques avec vos noms. Donc, tu remplis seulement ton nom. Je crois que je dois faire un truc comme ça. Ça fait 3 ans que j'ai envie de faire ça. Hein. La Bible a changé ma façon. Oh, si vous pouvez savoir. La façon dont je me vois. La façon dont je parle de moi. La façon dont je pense à moi. Le sentier de Jocelyne est comme une lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Ça veut dire que Jocelyne est comme l'aurore. À 6 heures, il fait noir. 7 heures, c'est un peu clair. 8 heures, c'est un peu plus clair. 9 heures, c'est un peu plus clair. Voilà. Tu as travaillé 7 000 $ en moins de 2 mois. Pipi et lavage, voilà. Ce n'était que le début, ma chérie. Élise, bonsoir. Catherine, bonsoir. On continue. 9 heures, c'est un peu plus clair. 10 heures,
11h, 12h alors. Ça chanchaille. Vous connaissez mon passage préféré, non? Proverbe 10, verset 22. Je sais que les jaloux vont parler, mais m'en fous. La bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction qui enrichit. Attendez, je vais relire bien même. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit Jocelyne. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Vous qui pensez que quand vous allez devenir riche là, pour devenir riche, il faut être malheureux. Il faut devenir que. Non, 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 non. Dieu n'aime pas la douleur sur ça. No pain. No toil, no struggle. Tu ne bosses pas, tu es fatigué. Tu vas te stresser. Tu ne... Non, non. Vous devez savoir comment la bénédiction de Dieu fonctionne. La bénédiction se reçoit. Parce qu'on croit qu'on mérite. Je pense que je mérite, même si je n'ai rien fait. C'est ça la grâce. La grâce, c'est une faveur que je ne mérite pas. Bon, cet enseignement est très énergétique. Ça suce beaucoup d'énergie. C'est qu'il y a beaucoup de personnes que je suis en train de... J'ai un dernier passage que je vais vous donner. Payez vos dîmes, Malachie. Bon, le Seigneur a une parole pour quelqu'un. Oh là là. Je donne très très peu les paroles. Hein. Donc. Le Seigneur me dit de te dire que ça fait déjà quelques mois que tu as commencé. Et il y a des moments où tu as des doutes. Il y a des moments où tu as l'impression que tu es seul sur le passage. Tu as l'impression que tu es comme dans un labyrinthe, voilà. Et ce labyrinthe, tu as l'impression que tu n'aboutis nulle part. Exode 23, verset 20. Il me dit qu'à l'instant, pendant que je parle, il met l'ange sur le chemin pour te montrer la voie que tu dois suivre. Au nom de Jésus, j'enlève les malédictions dans ton corps. J'enlève les lourdeurs. J'enlève les épées, les épines qui ont été lancées par les... L'ennemi. Il y a ce matin une dame a témoigné. Elle disait qu'elle a eu, elle a été victime d'inceste, c'est-à-dire son cousin, je crois, lui faisait des attouchements. Et elle a fait un bain de pipi avec du sel et tout ça. Et elle a été délivrée de cela. Donc, je vois beaucoup de personnes avec ce genre de situation. Tu as été, on a abusé de ta confiance. Et ça a ouvert les portes. Pour que l'ennemi, pour qu'un esprit mauvais s'accroche sur toi. Donc, je viens te libérer de cette possession au nom de Jésus. Je déclare que tu peux contrôler tes mouvements et tes faits et gestes. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, toute âme qu'on a façonnée pour t'endormir, pour te faire ne pas bien réfléchir, est annulée. Amen. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Tu es en train de sortir d'une saison où les blessures d'âme que tu avais sont en train de guérir. C'est un peu comme des, tu vois, comme des petits débris de tes ondes de bouteille qui étaient implantés dans ta peau. Dieu est en train de retirer cela. Quand le tison de bouteille est dans ta peau, tant que tu ne retires pas, tu n'es pas à l'aise. Et si tu ne retires pas, l'endroit là va gonfler. Donc, même si tu prétends, tu fais comme tu regardes, tu ne vois rien. Tant que tu ne prends pas le guillet, tu piques comme ça, là, tu piques, ça sort. Donc, c'est ce qui me montre en fait que les trucs d'inceste là, c'est quelque chose que ça reste en toi. Et ça te pourrit de l'intérieur. Tu ne sais même pas ce qui te pourrit. Donc je t'en délivre aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que tu es protégé contre toute usurpation d'identité. Toute personne qui a voulu prendre ton image pour te faire du mal. Toute personne qui t'a changé. Tu étais censé être très riche depuis. Très connu. C'est pour ça que le kit de célébrité. Faites le kit de fondation après faire le kit de célébrité. Le kit de célébrité est magique, vraiment. Kit fondation, après le kit célébrité, tu fais ça.
J'active vos étoiles. Ok. Je voyais, je sais pas, les ambiguïtés. Je voyais que quand on a remplacé l'image, on a un peu comme si on a la saleté de Zakam. On se trompe de maison, on vient juste en verse. Quelle célébrité, c'est 55 000. Donc tout débris, toute personne qui a sali ton image, toute personne qui a terni ton nom, je déclare que j'annule les effets de ces personnes. J'active ton étoile par la puissance du Saint-Esprit. J'enlève la fatigue, j'enlève la paresse. Je te commande de te lever de ce lit. Lève-toi de ce lit où on t'a laissé pour morte. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Bon, passez une bonne nuit. On va vous montrer les choses dans le rêve. Faites le bain de pipi à 3 h si possible. Oui, on déjà recevra quelques personnes demain, juste vraiment quelques. Et si soit vous venez prendre aussi le kit, tu viens, tu prends un kit, tu pars, tu utilises. Ce n'est qu'au moment opportun qu'on se parlera. Oui, avec le sel. Bon, bonne nuit à vous. Dormez bien.